suite aux propos abjects, discriminatoires, racistes et moyenâgeux que nous avons entendus sur la chaîne SCI Info, prononcés par professeur Jean-Paul Mirage, chef du service de réanimation auprès de l'hôpital Cochin à Paris, nous avons trouvé que la réaction qui serait logique et civique, ce serait une suite juridique devant les tribunaux français. Et nous avons aussitôt pris contact avec nos confrères du Club des avocats au Maroc et nous avons décidé de porter plainte. Nous nous baserons sur les infractions de la loi de presse du 29 juillet 1881 et notamment l'article 32 et 33 relatifs à la discrimination raciale et à l'injure raciale. Nous allons ester une justice en vertu de la convention judiciaire franco-marocaine qui permet aux avocats marocains de représenter les parties dans les mêmes conditions que les avocats français, notamment son article 4, la convention de 1958. Et donc, nous allons aussi nous baser sur une jurisprudence de la Cour de cassation française et de la Cour européenne des droits de l'homme qui permet à une association étrangère, même s'il a son siège à l'étranger, d'ester en justice, notamment dans les affaires discriminatoires. Et nous allons déposer cette plainte, soit une plainte devant le doyen des juges d'instruction avec constitution de partie civile, où nous allons activer la procédure de la citation en direct devant le tribunal correctionnel de Paris. Nos demandes seront d'un euro symbolique parce que nous n'avons pas besoin d'argent et nous ne voulons pas s'enrichir sur le dos de quelqu'un qui ou d'une personne qui tienne ce genre de propos parce que l'Afrique n'a pas besoin de son argent.